to aspire a flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Search your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut à toutes et à tous, amis. C'est Elpara d'une réalité alternative. Pas du tout. C'est entièrement moi. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup sur Aventuria. Et aujourd'hui, ça y est, le grand jour est arrivé. On démarre enfin l'énergie. Donc pour ce faire, on va partir sur Thermal, je pense. Petite chose que j'ai à vous dire, voilà. Donc, ah déjà, ça on n'avait pas récupéré. Oh, c'est cool. Et également, j'ai enlevé le mode Green Lantern. Je l'ai jarté parce qu'il ne marche pas. J'ai eu confirmation qu'il ne marche pas. Et à la place, j'ai mis un mode de super-héros. Un autre mode de super-héros. Donc voilà. Voilà. Donc on va faire une dynamo à vapeur dans un premier temps. Parce qu'on s'en fiche en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de plus et du charbon. On en a masse. Mon toutou. Cadeau. Va aussi falloir qu'on continue la maison, mais bon. En fait, le problème là actuellement, c'est vraiment la place. Du coup, il nous faut ceci. Ceci qu'on obtient avec un coup. Hop. Tac, 64. Ensuite, on l'a mis. Voilà. Et dans le chisel, je crois que si on met ça, voilà, on obtient pas mal de petites choses. J'aime bien celle-là, moi. Donc, pour les murs, on aura. Après, j'ai peur que ça fasse peut-être trop gris, non? On va voir. Bon, on continuera ça dans la suite de l'épisode. Normalement. Parfait. J'obtiens la Silver Seed. Parfait. Tac. Tac. Ensuite, pour ça, il nous faut. C'est nul ça comme. Ok, il nous faut du copper. Est-ce que j'ai du copper? Je sais que j'en ai qui traîne dans la base. Je sais pas, je trouve que ça fait bizarre ma. Sinon, au pire, on a les planches. C'est vrai. Voilà. Oula. Le rouage en cuir. Putain, on a encore trop d'objets. Vraiment, faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour ça. Et je crois qu'on a notre dynamo. Ok. Donc on a notre première, entre guillemets, machinerie. L'objectif, je pense que vous vous en doutez, c'est pas de rester avec une machine à vapeur. L'objectif, ça va être le plus rapidement possible de partir sur ceci. Donc... des câbles en plomb, donc il nous faut du plomb, du verre. Putain, mais même de la redstone, on va être en manque. On va se la faire parce que mine de rien, ça va être assez utile. Mais on va en avoir besoin maintenant. Parfait, on a la selle en redstone. Du coup, comme ça, on va avoir nos câbles. Hop, ça on récupère. Tac, tac, et. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant on va devoir s'occuper. Ok, donc pour ça il nous faut des graines de l'infini. Ok, graines de l'infini, c'est pas compliqué à avoir. Voilà, je suis arrivé, donc là vous voyez rien. Donc je vais dégager encore un tout petit peu d'espace. Et je vais mettre le feu. Voilà, je suis à la bedrock. Bon, il y a du diamant là, mais encore une fois j'ai pas de place. Et l'objectif c'est voilà de tout récupérer. Et donc maintenant que j'ai les graines de l'infini, donc il m'en faut 2 pour chaque 2, 4, 6, 8. Ok, donc on va refaire une tournée.
Donc il nous faut 4 comme ça. Parfait. Ensuite, il nous manque du fer et un bloc de redstone. Ok. Donc, ok, on a notre capaciteur. Donc ça déjà, c'est plutôt pas mal. Puisque pour l'assemblement des ongles, ça nous permet de stocker notre énergie. Comme ça, là, juste à côté. Et que lui, je lui mets ça. Ah, il lui faut de l'eau. Est-ce que c'est de l'eau ou pas? Voilà, ok, donc vous voyez qu'il produit de l'énergie. Ok. Ensuite, toi. Pour le pulvérisant, il nous faut un piston. Donc, pour le piston, il nous manque quoi? Rien du tout. Tac, la graine en tine. Du coup, là il nous faut ça. Un seul, ça suffit. Boum, ça c'est bon. Ensuite, donc tout ça on a, il nous faut deux engrenages en cuivre. Ah! Nos deux engrenages en cuivre. Et enfin, le dernier, c'est de l'or. Et du fer, ok. Et on obtient notre pulvériseur, ok. Est-ce que ça marche ça, au moins? Ça marche pas, mais pourquoi? Ah, ok, là ça marche. Donc, si on l'enlève et qu'on fait ça, lui se remplit, ok. Du coup, l'objectif serait de faire ça. Donc là, lui se remplit. Voilà. Tac, comme ça, si besoin. On a tout ici. Ok. On fait les machines, on voit après. Ça, il nous en faut deux. Plus de trucs à éteindre. Enfin, j'ai plus d'éteint. Je crois que c'était deux. Non, c'était un. Tac. Oh! Oh merde! Une de sang. Ok. Ça va être la merde. Super. Une de sang. Ok. What the fuck? Ah oui, bah oui, du coup. Faites la merde avec la Blood Moon. Alors ça, c'est pas des vrais pumpkins. Voilà, c'est pumpkin. What the... Ta foc. C'est quoi ça? Terrain shard. M'a fait peur. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Une épée en fer, super. Wow! Oh mon Dieu, il m'a fait lag! Ok. Help me le chien! Help me le chien!
Le chien, aide papa. Je pouvais même plus bouger. Oh mon Dieu. Désolé le chien. Hein. Ah si. Non, arrêtez. Promets que j'ai même plus de bouffe. What the fuck, c'est quoi ça? Je sais pas, mais t'as pas l'air gentil. T'as pas l'air très très gentil. Ok. Oh la vache, mais tout ce qu'il y a... Mais regardez-moi encore tout le nombre de mobs qui restent encore. Tu me vois pas? Mon Dieu. Oh diable. J'ai besoin de mon stuff. C'était quoi ça? Il y a du stuff de merde. Putain, mais c'est quoi ce truc? Dégage! Putain, mon Dieu, tout ce qu'il y a encore. Là, vous savez ce que c'est? Là, c'est les restes. Des mobs. Mange. Et j'ai combien de chances d'en obtenir? J'ai 10%. Tac, après ça. Voilà, ça je crois que j'ai remis à cuir. Non. Voilà, j'ai remis à cuir et j'obtiens nickel. Donc oui, il m'en faut de 9. Comme ça. Mais bon. On commence à tranquillement s'en sortir une fois qu'on aura. De toute façon, Raffined sert beaucoup plus facilement encore une fois. Donc là vraiment ce qui me tombe bête vraiment c'est la place. Donc bon, on est obligé de faire entre guillemets ça dans cette ordre là. Pour que ça passe. Ah oui mon petit chien, t'as pris cher. Oh bah regardez, il y a encore une tombe là. On s'en fout, on s'en fout. Trop bien. Ah oui, ça, je me mets les Baton Blade parce qu'en fait avec le petit fine de, enfin le game light de petit fine, c'est clair. Et au moins, j'allais dire au moins je peux pas les poser, mais visiblement si. What the fuck? Comment est-ce qu'on peut poser ça? Mais bon, apparemment ça vient de Quark, ok.
Je sais que j'ai le mode aussi plaçable item. Mais je sais pas comment ça marche. Voilà. Mais alors comment? Super. Oh, c'est vrai qu'il y a ça. Oh, ça peut être sympa. C'est pas du tout parce que je viens de faire une connerie que j'ai la flemme de la rattraper. Pas du tout. Enfin, que je sais pas du tout comment la rattraper. Toc. Bon bah les amis, j'espère en tout cas franchement et sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne, la vidéo à vos amis pour qu'ils puissent me découvrir. Pourquoi pas s'abonner si le cœur leur en dit. Merci à tous ceux qui le feront. C'était Para. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Salut.